Allô, ta maman? Des nouvelles? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai compris. Mayonna s'est fait éliminer. Non, Mayonna n'a pas été éliminée. Oh, ça c'est super! Alors c'est qui a été éliminé? Mimiki. Haha! J'en étais sûr! Je savais que Mimiki ne pourra pas faire long chemin. De toute façon, c'est bien fait pour lui. Quoi? J'ai pas insulté! D'accord? Ouais, ça c'est clair, c'est vrai. D'accord. Bon, ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais je te rappelle que tu as encore un bon chemin. Ah, t'inquiète pas, Chuck. J'ai retenu une belle leçon et je ne vais pas refaire la même chose dans le prochain défi extrême. Bon, de toute façon, même si je suis très espéranté, il me reste encore quand même beaucoup de choses à voir avec mes compétences. Pareil pour moi si je veux être respecté. Pareil pour moi. Surtout que le prochain défi extrême, il y aura peut-être lieu bientôt. Si ce serait dans le monde des Pokémon peluche, je serais pas contre. Hein. Même s'il y aurait Mickey. J'ai dit Mickey, j'ai pas insulté. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est quoi le doute que tu avais de ta maman? En fait, déjà, bon, Mario a gagné l'immunité. Attends, d'habitude, ce serait pas les deux ou les trois dans la Select. Cette fois, il y en a qu'un. Oh, gros coup dur. Il y en a qu'un immunité? Ouais. Oh, d'accord. Et c'est quoi le problème? Lee du début a été intoxiqué par Panthé Rose. Quoi? What? Mais c'est complètement insensé! Comment ça, toxiqué? Wouah! Je pensais qu'il serait stupide pour faire tout ça. Moi aussi! En fait, il a eu l'aide d'un certain Mikuni. Et en plus, c'est Capitaine Super Slip qui l'a jeté la fiole. Mais en tout cas, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que Panthé Rose a été banni de l'émission Pokémon Peluche. Ça, je suis bien contente. Par contre, bah, il n'y aura pas de lead de début pendant 3 semaines. Oh, c'est pas vrai. Panthé Rose gâche toujours de tout et n'importe quoi. Je me rappelle la dernière fois, c'était Badibou qui avait ruiné la caverne et maintenant Panthé Rose. Je dois quand même avouer que ça devient étrange. Mais donc, ça veut dire que les Pokémon peluche, ainsi que nos amis, vont revenir vers la région. Oh, Mayonna! Ah, il va sûrement raconter de tout ce qui s'est passé. je vais quand même féliciter Pen d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Ah, oh, moi, je suis contente. Et j'espère qu'honnêtement que la bande à Franklin feront tout pour te remonter le moral. Ben, on a fait, hein. Ouais, mais pas la bande à Franklin, quand même. Mais tu avais dit qu'ils se font du souci pour moi! Ouais, c'est clair! Bon, enfin, en tout cas, je vais les inviter à pied ferme dans notre maison. Après tout, Petit Fox, Simba et Tipouf t'ont accueilli à bras ouverts dans la maison, donc on lui doit bien cela! Ça, c'est vrai! En fait, il est où Mario? Il est en train de chercher un nouveau jeu. Tu connais, c'est un grand passionné de Nintendo, même un grand fanboy. Ça m'étonne pas de lui. En tout cas, je serais curieux de savoir qu'est-ce que Tétard va nous raconter cette fois. Sûrement de tous ses exploits. Mais en tout cas, en tant que candidat qui vient de commencer l'émission, il a franchement fait un très bel parcours. Hein. Je crois quand même dire que Ishika et Mayonnaise ont fait beaucoup de progrès. Ouais, autant pour dire qu'ils n'auront pas besoin d'entraînement. C'est clair. Ah, bonjour la région. Ça fait déjà longtemps qu'on s'était pas revenu. Ah, ça m'a manqué de banco. Moi aussi! Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans un ferme peluche! Ah! Maintenant, c'est un autre tour d'être des personnages en papier. Oh, ouais, mais je dois quand même t'avouer que je m'y habite beaucoup, hein! Ouais! Parce que franchement, être un personnage en papier, ça peut changer d'idée! Vous n'êtes pas d'accord? Ouais! Mamma mia, oui! Tout à fait d'accord avec toi, grand, je trouve! T'es tard? Quoi? Pourquoi est-ce que ton... Attends une minute. Tu as retrouvé ton œil? Ah, c'est vrai, c'est juste... Ça va être une façon de forme en papier, je pense. D'habitude, quand je suis en mode peluche, je manque un œil, mais là... J'ai deux yeux. Je suis quand même content. Je suis quand même content pour toi. Ah, et pour moi, mamma mia. Ah, ça fait vraiment du miel que je sois redevenu dans la forme peluche. C'est bien, la forme papier, mais en forme peluche, c'est quand même mieux. Conker? Salut! Ah! Je vous ai pas dit! C'est vrai! Moi aussi je vais prendre les vacances vu que. Bah, Lee de début a été intoxiqué à cause de ce crétin de Rose! Ah ouais, c'est clair, c'est vraiment dégueulasse de sa part!
Mais en fait, il est où ta couronne? La dernière fois, j'avais perdu ma couronne et ça m'a... Et franchement, j'ai été super bien goûté. Et vu le vaste de qui en a dans la région, eh ben, je préfère laisser ma couronne dans mon coffre-fort. Très sécurisé. Et je l'ai même caché parfaitement. Comme ça, si jamais je serai de retour, je vais revenir et prendre ma coffre-fort, puis remettre ma couronne. Cette fois, je vais pas l'emporter avec moi. Parce que la dernière fois, quand j'ai perdu ma couronne, c'était franchement... Je pouvais pas supporter ça. Oh, je peux le comprendre, Mamma Mia. En tout cas, je suis bien content que tu prends quand même les vacances, hein. Ouais, mais je suis quand même déçu que les deux débuts soient intoxiqués, hein. Ah, Conker, tu sais, l'avantage, c'est qu'au moins, on peut passer un bon moment ensemble et oublier tous les dramas qui s'est passé. Oh, ça, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma nièce. Enfin, ma Yuna. Ah, mais tu fais rougir, grand, je trouve. Bon, je vous laisse. Et n'oubliez pas de trouver un moyen de remonter un moral à Zelda, quand même. Ah, c'est vrai que Panthéon nous avait dit qu'il a démoralisé Zelda. Et on n'avait pas beaucoup réagi. Bayona, écoute, je sais, j'aurais dû me réagir concernant le fait que Zelda est en mélancolie. Mais tu sais, tu te souviens, je vais faire des cookies pour elle. Ouais, mais pourquoi tu n'en as pas fait? Sans moi, parce que le fait qu'on n'a pas le temps à cause des déchets toxiques que Panthéon nous avait faites. Je te jure, quoi. Bon, en tout cas, j'ai hâte de revoir Marisson, hein. Moi aussi. J'ai vraiment eu de la peine quand il a été éliminé. Donc franchement, le revoir, ça fait vraiment du bien. Allons-y, Mamma Mia, qu'est-ce qu'on attend, hein. Allons vers la maison de Chubb, je suis sûr qu'ils seront contents de nous revoir. Ça, je te fais vraiment pas dire. J'ai hâte de parler avec lui. Pareil pour moi. Oh, les Zego. Ah, c'est moi qui devais dire les Zego. Ben, ça va? Je me demande si j'espère qu'honnêtement Mickey sera éliminé. T'en fais pas, Ben. Un jour ou l'autre, il sera éliminé. Il y aura peut-être une belle karma. Allez, viens. On va célébrer la fête. Ça, je te fais vraiment pas dire, hein. Ça, c'est ce qu'il croit. Heureusement, tu as pensé à m'emmener avec toi. Mais pourquoi pas Stitch, bon, ou bien encore Flamiabot? Ils sont pas autant que candidats. Mais en tout cas, je vais me venger de peine pour avoir osé me faire humilier. Pour avoir osé de voler l'immunité. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire en sorte de venger contre peine. Et essayer de te faire en sorte à ce qu'il soit plus candidat. Non, tu fais pas ça, pas trop. La dernière fois, tu t'es fait griller et tu as failli être éliminé. C'est vrai. Mais là, je suis plus dans l'île du début. Donc peut-être si je fais... je peux me permettre de faire un petit sabotage, mais très méchant. Pas seulement à peine, ainsi que tous les candidats généreux. Comme ça, je serai directement gagnant. En même temps, c'est pas faux, hein. Tu es plus candidat par temporaire, quoi que t'as d'autre. Donc, ma première priorité aurait pu être Ben, mais ce sera surtout Franklin, parce que je le déteste. Je fais en sorte pour que Franklin ne soit plus candidat. Voilà une idée machiavélique, et je m'en occuperai le cas des autres. Je peux faire des cauchemars. Fais ce que tu veux, et là, je dis ça du premier degré. Oh, parfait. Les gars, j'ai une nouvelle très constriante. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a célébré le dixième tentative ratée de Panthérose. Non, c'est pas que ça la meilleure. Non seulement Panthérose s'est fait griller, mais il a été même banni de tous les défis extrêmes du monde du Pokémon Peluche. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Il va arrêter de nous faire chier avec ça. Et la double bonne nouvelle, oh, double bonne nouvelle, c'est que Panthérose va faire les travaux pendant 3 semaines. Ouh, ça c'est méchant ça. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se détendre. Ouais. Et si ça se trouve, Mickey va peut-être nous chercher, hein. Vu qu'après tout, il a dit lui-même qu'il voudrait nous voir. C'est clair, on a fait une très belle discussion. Et sache que c'est grâce à moi si Mickey reste dans l'aventure. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Oui. Mon plan machiavélique a marché. L'île de début est devenue toxique. Non, c'est pas... Ah oui, c'est vrai que tu as collaboré avec ce crétin de Rose. Mais sache que c'est pas que toi qui a fait. C'est plus Panthérose que toi.
N'empêche que mon idée était bonne. Je devrais peut-être essayer de chercher, Mickey. Pourquoi ce serait toi? Toi, tu t'es servi. Toi, tu t'es servi. Moi, je me suis pas beaucoup servi. On en parle de la fois dans l'épisode 29 de Vic vs Jack que tu as pris un coup de fil avec, Mickey. Ou bien encore, je sais pas, moi, dans l'épisode de la caverne des pierres, tu as aussi passé un coup de fil. C'est plus Nifty qui en a moins servi. Oui, vous avez raison. Mais pourquoi en fait? Je vais essayer de chercher Mickey. Pourquoi faire? Oh, tu sais, depuis notre déménagement vers le garage, Panthéon a dépensé les fric juste pour faire un garage. Je m'attendais à forteresse, ou bien encore un château, mais une garage. Je me sens humilié au fond de moi-même. Bref, je vais essayer de chercher Mickey et le ramener chez nous. Avec Mimiki. Mimiki fait des cauchemars. À mon avis, il doit y avoir un Pokémon qui doit faire copain avec lui. Tu parles de certains Funicir? Ouais. On l'a enfermé parce qu'il n'arrête pas de faire des cauchemars à nous. Et ça nous énerve. C'est clair. Attends une minute. T'avais bien été Mickey? Exactement. Toi, tu viens pas avec moi. Je vais faire encore des conneries. Mickey, magicien. Ce souris pourri. On est rentré. Oh, salut Mayonnaise, salut tout le monde. Oh, coucou. Bonjour. Oh, salut les cocos. Bonjour. Oh, salut. Il n'y a pas de dinosaures violets, ça me rassure. Puisque je te le dis. Wouah, wouah, wouah. Oh, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. Mamma mia. Moi aussi. Ça fait plaisir de vous revoir. Alors, Mario? Ouais. Alors là, si Mario te verrait, il serait super content. Attends, Mario est avec nous? Ouais, exactement, il est avec nous pour regarder les épisodes de Diffy Extreme. Mais apparemment, c'est en suspens pendant 3 semaines. Pourquoi t'as accepté que Mario vienne avec toi? Il fait pas partie de notre bande. Laisse tomber. Mayona, enfin! Bande ou pas dans la même bande, il est quand même le bienvenu. Du moment que ce soit pas ce Mickey, je vais foutre une coup pied dans les couilles. Ouais, ce sera pas seulement un coup pied, mais un coup pied dans les couilles overnight chosen. Aussi. Oh, je suis quand même content que tu ailles bien. Zelda, tu vas bien quand même? T'en fais pas, je vais quand même bien. J'ai entendu dire que Panthéros t'a démoralisé. C'est vrai, mais grâce à mes amis et à Chop, j'ai remonté la morale. Elle va mieux, ne vous en faites pas. Oh, me revoilà rassuré. Ne te déprime pas comme ça, Zelda. C'est pas vraiment ton truc de déprimer comme ça. C'est clair. Je suis quand même content que tu ailles bien. Mais ne vous en faites pas, je vais bien. Donc tu vas reparticiper à notre Diffy Extreme? Non, mais parce qu'à force d'être trop de drama, ça m'est mis vraiment à la peine, alors j'ai préféré faire une pause. Pareil pour moi. Je suis de ton avis quand même. Oh, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est votre choix. C'est clair, j'aurais bien voulu qu'on soit à la même équipe quand on a fait dans le studio, Chup. Mais bon, je respecte ton choix. Enfin bref, puisqu'on va rester ici pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Déjà, premièrement, je vais vous préparer des cookies partout, pour tout le monde. Tu peux en faire aussi pour Mario, mais il est absent parce qu'il est en train de chercher un jeu. Oh, sacré Mario, je te jure, quoi. Ouais, il ne changera jamais. Malgré nos absences pour le défi extrême, il n'a pas changé, hein. Marisson, ça va, toi? Ouais, t'inquiète pas. J'ai retenu ma leçon, c'est quand même ma faute. J'aurais pas dû insulter Mickey ou bien encore moquer de lui. C'est à cause de ce comportement si j'ai pu être éliminé. Ah, enfin, Marisson, ne dis pas ça. Je suis conscient, même Chum me fait des remarques, même Mario. En même temps, c'est vrai. Si t'aurais pu tenir ton calme, t'aurais pas pu être éliminé. Hein. Ou bien si tu aurais évité de le moquer. Hein. Mais t'en fais pas, Marisson, je vais continuer à faire d'autres défis extrêmes. Parce que la prochaine fois, je ferai de mon mieux pour que je reparticipe et que je n'essaie pas de me moquer des personnes que j'aime pas. Ça, je suis fier de toi, Marisson. C'est clair et net, Marisson. Je suis vraiment très fier de toi. Enfin, si vous n'avez pas goûté les cookies de Grand Schtroumpf, alors franchement, vous allez l'adorer. Moi, c'est le cas parce qu'il m'en a fait goûter dans le camp des DPS Extreme. Et c'était vraiment si bon que ça? Tout à fait exact. Ouais, c'était vraiment un goût de paradis. Je suis vraiment content pour vous.
En effet, la plupart de la bande à Mario sont dans cette maison. La maison de qui déjà? J'ai cru comprendre que c'est Chuck, le nouveau héros de la région. Voire même le héros number one. Les héros number one. Qu'est-ce que je déteste. En tout cas, c'est ici qu'on va bombarder la maison de Chuck. Il faut le soumettre, ce Mario. J'ai tant voulu essayer de le vaincre une bonne fois pour toutes. J'ai failli la dernière fois, mais ça n'a pas marché. Mais avec notre mois d'entraînement et de détermination, on est devenu plus fort qu'avant. Bonsoir, Junior. T'es sûr que ça va marcher? Exactement. Il faut que Mario soit dans cette maison. Comme ça, nous allons le bombarder. Mais c'est qui ces personnages? Je les connais absolument pas. Un tétarde? Un tortue que je connais pas, qui vient d'un dessin animé? Ensuite, quand je trouve... qui sont ces mecs? Ça doit être un certain Pokémon peluche. Pokémon peluche? Mais c'est débile! Ils sont en papier! C'est quoi le contexte alors? Bonsoir, Junior. On pourrait pas le bombarder tout de suite? Non! Si elle... on lance le signal quand Mario sera dans cette maison. Comme ça, ça fera une belle destruction totale. Deux héros, ça vaut mieux qu'une. Si Chuck et Mario seront détruites grâce à ton capacité ultime, je serai considéré en étant le plus grand méchant de tous les temps. Et je pourrais même conquérir le monde entier. J'en ai plus cassé que tout le monde se moque de moi parce que je suis Bowser Junior, le frère d'Anna Tardet. Oh, Bowser Junior, tu vas réussir. Cette fois, avec ton plan aussi génial, même si on est loin de cette maison, nous allons pouvoir réussir avec ta tactique. Et une fois quand le moment sera venu, j'en profiterai même de créer mon propre pays. Bowser Junior, vous êtes franchement incroyable. Mais en fait, où est Waluigi? C'est un attardé. Je l'ai laissé à la maison. Il regarde les épisodes des Teletubbies. Oh, d'accord. Ah, je suis content d'avoir ce jeu. Le jeu est sorti il y a longtemps, mais franchement, c'est... je suis content d'avoir. J'arrive pas à trouver le repère de la bande à Panthéros. Ah, la première fois, j'ai parlé, je les ai pas trouvés. Et là, ils sont carrément plus là. Ils auraient pu au moins nous prévenir qu'on a été déménagés. C'est peut-être pas justifiable que ça. On faisait des vies extrêmes. Ah, c'est pas faux du tout. Excuse-moi. Oh, Mario! Toi! Tu es celui qui a l'immunité. Je vois pas... Oh, tu parles de Mario Nintendo, hein? Ouais, c'est clair, ce Mario, il est vraiment un véritable phénomène. Attends une minute. Quoi? Laisse-moi deviner. Je suis Mickey, le fanboy de Sony! Quoi? J'ai compris ton délire. Tu veux essayer de faire la conquête du monde pour que tu forces aux gens d'acheter les PlayStation. Arrête tes conneries! Je suis pas un fanboy de Sony! Je suis Mickey, le magicien! Une fois quand j'aurai l'argent, je vais conquérir le monde entier! Et tu seras à genoux, devant moi! Désolé, mais tu fais pas vraiment peur pour être tout à fait honnête. Tu vas voir. Bigobot! Quoi? C'est moi ou tu as essayé de m'attaquer? C'est un peu... Ok. Psycho! Aïe, ouïe! Non mais... Que quoi? Mec, je veux pas te fixer, mais ton attaque psycho... Il est pas très fort comparé à ce que j'avais reçu. Mais comment est-ce que tu fais ça? De toutes les vols, parce que j'ai utilisé ses capacités, tu devais être KO et tu devais être blessé. Bah désolé, je veux pas t'enfoncer, mais ton attaque n'est pas aussi dévastateur comparé à tout ce que j'avais reçu auparavant.
Même Bowser Jr. m'a fait des attaques encore plus redoutables que ça. Quoi? Eh ben moi je suis pas un fanboy débile pigeon de Nintendo. Qu'est-ce que tu as dit? Pigeon Nintendo! Redis ça un peu pour voir. Pigeon Nintendo! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pleurer? Pleurer? Tu m'as osé insulter de pigeon! Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas! Quoi? Psychobousse! Psycho! Qu'est-ce que ça veut dire? Jugement dernier! Que quoi? Je vais y aller encore, t'es question que je me mets KO tant que je te réglerai ton compte! C'est pas possible! Tu es peut-être plus puissant que ça en a l'air, mais avec Mimiki, tu fais rien! Mimiki, fais un cauchemar! Avec plaisir! Il est gros temps que je te fasse des cauchemars, mon petit fanboy! Non mais, il n'avait qu'à pas m'insulter! Dis, patron! Quoi? C'est moi ou je sens comme une sorte de... Je sens comme une sorte de brûlure! Une rôti! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça brûle! Mimiki! Hors de question que je pense à mon rêve! Hors de question que je pense à autre chose! Du moment que je vais pas que je te réglerai ton compte! Fanboy névrosé de Sony! Maintenant je suis encore plus en colère qu'avant! Non! Psychopousse! 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 Écoute! Jugement dernier que tu m'as balancé, hein! Eh ben je vais te faire pire ce que tu m'as fait! Quand tu m'as insulté de pigeon, c'est un truc que je supporte pas. De là que tu sois un connard, ça passe. Mais de là que tu m'insultes une petite pigeon, ça va mal passer pour toi. Lâche-moi, tu sais pas à qui tu as affaire. Non, tu sais pas qui tu as affaire. Et je vais te montrer un attaque encore plus redoutable que jugement dernier. Quoi donc? Le poing enflammé de la colère. Je vais brûler. Oh non, par pitié, c'était juste pour rigoler. Quant à toi, Mimicouille, je respecte tes Pokémon Soleil et Lune, mais je ne respecte pas toi. Lâche-moi. Wario. Oh, tu pourrais pas... Wario! Mario! Souviens-toi de ce que tu m'as fait la dernière... Attends une minute. Tu ressembles pas dans les autres fois. Et pourquoi je suis un personnage en papier? Il est fou! Oh, tu serais pas le Wario Nintendo? Ouais. Espèce de d'attardé! Ah! Pourquoi tu fais ça? Tu te prends pour un chien? Oh désolé, mais quand je vois un personnel Nintendo, je suis en extase! Ah! Mais c'était trop bizarre! Waouh! Oh! Tu pourrais venir avec nous! Je pourrais te présenter! Dans tes rêves! Je veux pas être avec toi! Je veux juste chercher Mario! Où est-ce qu'il est? Je sais pas, mais s'il aurait été là, je serais vraiment en joie! Ah! Tu n'es aucune utilité! T'es qu'un imbécile! Ouh! Un Wario Nintendo! C'est déjà mieux que le Wario Goban qu'on avait! Oh, je vais raconter ça aux autres! Ah ouais, c'est vrai! Ishika! Ça te dirait qu'on pourrait peut-être faire des trucs ensemble, autre part? Oh, pourquoi pas! Allons-y! Oh, ils forment une belle couple! Waouh! Je pouvais pas savoir qu'on pourrait faire un couple entre un tortue et un lapin. En tout cas, c'est possible. En tout cas, je suis contente pour toi que tu aies continué l'aventure. Pareil pour moi. Bonjour. Oh, salut Mario. Mario. Oh, désolé. Ben?
t'es de retour? Ouais, t'en fais pas, je suis pas éliminé, mais on va juste rester pendant 3 semaines. Oh, c'est vrai. Oh, oh Mario, mon idole. Oh, ne me vexe pas trop, s'il te plaît. Mario, sérieusement, ne le vexe pas trop, s'il te plaît. C'est ce que je viens de dire. T'es tarte? Oh, ça veut dire que la bande à Franklin, ils sont là. On est que Franklin et Grand Schtroumpf. Attends, il est où Grand Schtroumpf alors? Il est Franklin? Il est en train de faire l'amour avec Ishika et Grand Schtroumpf est en train de faire des cookies. Des cookies? Ah oui, c'est vrai, c'est un personnage, donc ça n'a rien à voir. Il est juste, c'est le meilleur cuisinier de pâtissier qu'on puisse connaître. À ce point-là? Eh ben j'ai hâte de voir ça quand même. Dis-moi, ce serait pas Mario 3D World que tu l'as? Ouais, exactement. C'est le jeu que j'attends que j'ai voulu le plus. Bah alors pourquoi tu l'as pas pris maintenant? C'est parce que j'étais trop débordé après tout ce qui s'est passé. Avec le studio et la caverne, et donc voilà, j'ai voulu chercher le jeu, mais il était en rupture de stock, et donc voilà, j'ai voulu rechercher, et voilà, j'ai le jeu. Ah, je suis content pour toi en tout cas. Tu pouvais pas penser autre chose qu'au jeu vidéo, Mario? Si, mais quand même, en parlant d'autre chose, j'avais croisé Mickey et Mimiki, Mickey le fanboy de Sony. C'est pas fanboy de Sony, c'est juste le magicien. Pourtant, il a le chapeau bleu, et il a eu le culot de dire que je suis un pigeon de Nintendo. À ce point-là? Et tu sais qu'est-ce que j'en ai fait? Il a essayé de dire genre jugement dernier à moi, mais sauf que moi, j'ai résisté à tous les attaques. Et Mimiki a voulu me faire un cauchemar à moi, et bah vous savez quoi? Je l'ai déglingué avec mes pouvoirs de la colère en flamme, et je l'ai volatilisé Mickey le fanboy de Sony, très loin. Attends, jugement dernier? Mais c'est une attaque très dangereuse, personne ne peut résister à ça. Tu avais bien dit que Mickey t'a insulté de pigeon? Ouais! Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas! Ah, je comprends mieux, c'est le talent de Mario. Quand on insulte et quand on le force à. Ou bien quand on dit du mal de lui, ou bien de Nintendo, ou bien de sa copine, il se met à péter un câble direct, du coup, personne ne peut l'arrêter! À ce point-là? Ouais! Même avec une attaque d'être très dangereux. Oh! Alors dans ce cas, je préfère pas le mettre en colère. T'as pas intérêt! Toi qui fais partie de la bande à Mickey. Quoi? Maintenant, depuis Fig vs Jack, je suis devenu dans la bande à Franklin. Je comprends pas tes tartes. Je croyais que c'était dans la saison 7 que tu fais partie de la bande à Franklin. Drôle de théorie. Parfait. Gradopo, utilise missile toxique vers la maison de Chup. Avec plaisir. Tu utiliseras après mon signal. Quand je dirai go, tu y vas. Ah, c'est Mario. J'aurais jamais pensé qu'il serait encore plus dangereux qu'un Mario de Nintendo. En tout cas, ça donne plus envie de faire des cauchemars avec lui. Ah, plus jamais, parce que je veux pas me être brûlé. Je préfère faire des cauchemars entre personnes, mais lui... Avec Chop. Ah, avec la dernière fois que j'ai voulu faire un cauchemar à Chop. Ah, je me suis fait battu. Bon, j'ai réussi à le faire éliminer, mais voilà. Il m'a grillé en beauté. J'ai envie de faire un cauchemar avec une autre personne. Parfait. Hey, je veux du silence. Gradopo, ne crie pas. Gradopo, non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Voici les cookies, mais les nouvelles formules faites par... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Oh, Luigi m'a viré de chez lui, et maintenant que... Oh, je meurs de faim, moi. Oh, des cookies Pépito. Oh. Ils sont très bons. Oh, je vais pouvoir en manger. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sorte de bombardement.
Est-ce que c'était prévu comme ça? J'ai entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, salut Mario! Salut Franklin! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais apparemment ça se trouve à l'extérieur. Alors qu'est-ce vous faites quoi? Il faut sortir pour voir ce qui s'est passé. Oh tiens, salut Mario. Salut grand Schtroumpf. Allons-y. Ils ont raison. Enfin, il a raison. Enfin bref, allons-y. Allons voir ce qui se passe. J'espère que c'est pas encore un coup de ce souris pourri. Qu'est-ce que c'est que... Wow! C'était... Ça a créé un désastre, ça c'est sûr. Des gouttes violettes? Attends, Sango! Je pense pas que ça doit être des gouttes violettes comme n'importe qui. Mieux vaut ne pas en toucher. Ça sent comme un venin toxique. Tu en es sûr? Ouais, regarde. Mais il a raison! Je connais ces gouttes toxiques. Comme si je connais une poésie par cœur. Ça doit être certain. Gradopo. Gradopo? Gradopo? C'est qui ce certain Gradopo? Ça doit être un certain allié de Bowser Jr. Bowser Jr? Ouais, il est même redoutable que Mickey. Quoi? T'exagères un peu, Mickey il est encore plus redoutable que ça en a l'air. Croyez-le ou non, j'ai réussi à le battre et il était pas si difficile que ça. Quoi? Mais comment ça se fait? Parce qu'en fait, Mickey a insulté de pigeon à Mario et du coup, il a créé une véritable colère et du coup, il s'est abattu contre Mickey. Et est-ce que je t'ai dit qu'elle essayait d'utiliser une attaque utile contre moi et que franchement, ça me met pas KO? Que quoi? Mais pourtant, l'attaque utile de Mickey devait être dévastateur. Il devait te remettre en KO d'un seul coup. Pas dans ce genre de contest, pour moi. Incroyable. Comment tu fais pour résister de ce genre d'attaque? Aucun des combattants ou bien des Pokémon peluche n'a pu résister à ça. Et tu as dit qu'il est encore plus redoutable que Mickey? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que le fait que Mickey, que Bowser Jr. a utilisé Mega Evolution. Ah, je me disais aussi. Enfin bref, je pense que Bowser Jr. a essayé de faire un mauvais tour. Et c'est Bowser Jr. ce serait pas ton pire ennemi déjà? Oh, c'est pas vrai! D'abord Mickey, ensuite Panthé Rose, et maintenant Bowser Jr. Ouais, apparemment ils veulent me débarrasser de moi, sauf que ça n'arrivera pas. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il a appris à Mickey d'utiliser une missile, une sorte de bombe ici, mais dans quel but? C'est donc ici où ça a eu lieu, cette sorte d'explosion? Ça a l'air dangereux cet endroit. Ne n'approchez pas à cette marée toxique. Ristretto? Jump, on se retrouve. Et c'est qui ces personnages que je connais pas? Moi je m'appelle Mario et moi je suis Franklin. Je te connais pas toi. Qui? Tu dois être Franklin, mais de quelle région? Du monde du Pokémon peluche. En vrai je devais être un peluche, mais sauf que j'ai été transféré dans un forme de papier. J'aurais pu utiliser la locomotive de Dieu, mais ça va prendre du temps pour en refaire. Intéressant ce que vous dites. Vous venez pas de la région et vous venez d'un autre monde. À mon avis, ils doivent vous cacher leur propre potentiel. Ou peut-être pas. Comment ça, peut-être pas? Je ne te connais pas vraiment, hein. Fais gaffe, Ristretto, tu as surestimé Chop et tu avais tort. Chop avait réussi à faire un tas de prouesses. Résultat, il est même devenu le maître de la région Unis. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Tu as raison, Mayoda. Je vais pas te surestimer à toi, Franklin. Mais je crains que malheureusement, une menace se reproduise encore. Oh, j'en ai marre. Pourquoi ça se passe toujours? Pourquoi il y a toujours des menaces? Sûrement, ça doit être le fait que ce soit trop facile, sinon... Enfin bref, on va essayer de résoudre ces mystères. Et pendant ce temps, si vous avez peut-être force, vous pourrez peut-être nous aider. Après tout ce qui s'est passé avec Defense Rebelli du début, franchement, je sais pas. Enfin, peut-être, ouais, mais... voilà, on va juste essayer de se reposer un peu et de voir
de ce qui s'est passé. On vient juste d'à peine d'arriver à la région. À ce point-là, ni du début, défi extrême. Je regarde, je participe pas vraiment à défi extrême. Moi non plus. Moi non plus. Mais faites gaffe à vous. La région peut être truffée de personnages malveillants. Mais il peut avoir des personnages bienveillants. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Comme Spider Mooney et Mayona en tant que personnage bienveillant. Merci. Enfin bref, on va devoir... Attends, tu connais Spider Mooney? Oui, j'ai balancé dans le prison des ténèbres, mais il a réussi à ressortir. Mais je peux plus réutiliser le prison des ténèbres parce que j'ai plus l'autorisation. C'est pas en balançant les méchants en prison des ténèbres que ça va arranger les choses. Mais bon, c'était bien tenté. Enfin bref, Piccolo, Giroro, on va poursuivre notre enquête. Ok. Ils vont voir de quel bois on va se chauffer. Je suis sûr que c'est un certain Bowser Junior. Ouais, mais on n'a pas vraiment de réponse. Oh, les cookies. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Quand je nous a fait tes cookies. Bah, franchement, j'ai hâte de regoûter. Tu serais pas un certain Conker? Franck-là, Chubb et les autres. Enfin, oui, toi, Chubb, tu serais pas celui qui m'avait aidé pour afin que je puisse avoir le boulot? Oui, exactement. Ah, tu dois être le certain présentateur du début. Tout à fait exact. Tu as encore perdu ta couronne? Non, j'ai laissé au coffre-fort. Parce que là, la dernière fois, quand j'ai perdu la couronne, j'ai été vite fait dégoûté, donc je veux plus la reperdre. Donc j'ai laissé dans le coffre-fort. Tu as bien raison, mon gars. Du coup, j'essaie de chercher un loyer, mais j'arrive pas à en trouver un seul. Eh, ça te dirait que tu pourrais rejoindre notre petit loyer? Vous ferez vraiment pour moi? Exactement. Après tout, tu as été gentil avec nous, surtout envers Zelda. Oui, on te doit bien cela. Ah, c'est vraiment gentil de ta part, Chubb. Mais y a pas de quoi. Oh, merci beaucoup. Je vous promets que je serai très sage comme un enfant bien élevé. Ouais, certes, je bois de l'alcool, ou bien j'aime l'argent, mais je peux être sympa au fond de moi-même. C'est clair. C'est pas comme Dr. Chers. Je me demande si je devrais rencontrer Dr. Jers. Ah là là, franchement, si tu mets un raclet à Dr. Jers, ce serait vraiment plaisir. D'ailleurs, je me demande où est-ce qu'il est. Apparemment, il doit être dans le prison. Parce que apparemment, il a voulu y retourner. Attends, Dr. Jers a voulu retourner en prison? C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, en tout cas, je suis content que vous ayez voulu m'héberger gratuitement. Tu es quand même la bienvenue, quoi qu'il arrive. Ah, oh, je sens que les vacances à la région pourraient pas commencer mieux. Oh, les cookies! Où sont mes cookies? Ah, je les ai mangés. Et je peux te garantir que ces cookies étaient vraiment de l'œuvre d'art. Oh. C'était censé pour être tout le monde! Et tu... Tu l'as tout mangé! Oh, ouais, il était vraiment bon. Espèce de gros coiffe! Là, je suis pas content du tout! Gros coup de pied dans les couilles! Ouais, attends, où tu veux? Toi, sale peste! À cause de toi, notre plan parfait est un véritable échec! Attends une minute. Tu serais pas certain? Mimikyu de Pokémon Soleil et Lune? Je le connais. Il vient non seulement du Soleil et Lune, mais en plus c'est même un candidat de Deep Extreme League du début. Voilà. Mais pourquoi il serait là? Ah oui, c'est vrai, il a été éliminé. Normalement, il devait être dans l'habitat de l'île. Je suis fatigué. Je me sens pas vraiment bien. Oh non, sans blague, tu vas pas bien. Eh ben, tu as gâché notre plan, espèce d'abruti. Non, ne me faites pas de mal. Je voulais juste faire un cauchemar, quelqu'un. Après ce qui s'est passé contre Mario. Mario? Alors maintenant, tu sais à quel point je déteste Mario. Pourquoi voudrais-tu faire un cauchemar, Cradopo? Je te l'ai dit, c'est pour vous que j'ai envie de faire un cauchemar. Et pas pour payer ta bêtise. On va te faire une belle punition.
Lâche-moi! Allez, on l'embarque à notre base. Ok. Il me fait peur de Mickey. Une fois qu'on aura retrouvé Mickey, on va pouvoir l'héberger. Toi, tu te casses. T'es pas dans notre bande. T'es une honte. Mais je suis le magicien. Bah non. Toi, tu restes là. Et moi, je vais essayer de chercher Mickey. T'as pas intérêt de faire des conneries. Je me vengerai. Mickey, le magicien, le copie double. D'où tu traites de copie? Attends, tu serais pas le clown qui m'a foutu la honte? C'est toi qui as volé ma vedette. C'est moi, Mickey. Toi, t'es qu'un souris pourri. Souris pourri, hein? Psychopou... Non, c'est pas vrai. Genre peut-être, c'est peut-être pas une bonne idée de battre contre ce plombier. Dis-moi, il y a quoi comme Pokémon peluche qui a squatté la réunion? Squatté? On est venu ici pour prendre des vacances. Il y a Franklin, Tétard, le sac traître et le vieux chenin de Grand Schtroumpf, sans oublier Mario et mon fidèle barrière Mimiki. Qu'est-ce qui te fait rire? Je te jure, quoi. Où est-ce qu'il peut être? Mickey? L'été? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens me faire battre par un certain Mario, le fanboy de Nintendo. Comment ça se fait que tu t'es fait battre par lui? Je crois que je l'ai insulté. Je crois que ça aurait été, c'était peut-être pas une bonne idée de l'insulter, finalement. T'en fais pas, Mickey, je vais te ramener. À la maison. Merci. Une appel. Une appel. Tic. Allô. Oui. Des tortes. Un Mario, un Wario, un Franklin, un Grand Schtroumpf, un Franklin. Oh le tortue, c'est lui qui a osé moquer de ma mère. Je vais venger après toutes les folles qui m'a humilié.